Jodi jeudi 30 septembre 2021, deuxième chef gang base crashé Difea qui pote non manino enterrement messieurs ça. Li chante jodi a, même pas jamais penser même yon jou si Jimmy Cherizier c'était un père savant parce que c'est tout ça qui te prend en charge pour te capable chanter enterrement allié a. Te gen en pile moun qui fait déplacement, gen en pile question k'ap poser tout sous affaire cadavre manino ken pral essayer de décortiquer dans cadre émission ça. Ou pral joindre détail tande tonton. Mais avant tout, li vraiment important et intéressant pour abonner avec channel YouTube Haïti Media Online, c'est ça k'ap permettre ou prouver à clair avec Tinek Antchoupret là ou remel ou ap encourager l'ancien policier barbecue qui pote non journée jodi a révolutionnaire par contre si c'est bon cathédrale ou bien si original là journée jodi a monsieur ça li chanter enterrement manino après la police te acheté yon bote émissier en babal dans zone Delma 75 dans rue Catalpa suite avec yon petit programme yon petit fête que monsieur ça lui-même li te allé et bien faut me dire dans cadre enterrement ça te gen en pile moun qui fait déplacement mayo qui marqué adie manino pas jamais oublié te gen en pile banderole qui dans la rue pour montrer que yo vraiment affligé suite avec comprend dévancement que Manino lui-même lui fait sous terre et bien ça met Haïti Media on yo ça qui important pour connait moun yo déplacer vinn bay chef la un dernier regard et en même temps nèg ki pote non barbecue c'est lui-même qui te servi comme père savant pour te capable chanter enterrement allié si là monsieur parler en pile causé monsieur chanter m'bat jam connait si c'était une gon chanter dans dernier niveau comme ça dans pays d'Haïti mon cher bagay yo grave li vraiment important kounya et intéressant pour mal faire entendre qui va les qui choy qui va les paroles babé lui même li dit et en même temps qui va les questions li quitter pour Léon Charles capable répondre envers population gen kek bagay m'pa bon mentir nek sa ou gen les pas amis depuis un bon bout de temps mon important oui on al suivre ensemble attentivement façon sa table dérouler dans quartier nek Genève. Parce que même si vous arrivez,
nous devons préparer la relève pour nous mettre pour nous. Parce que la bataille n'a fait aussi, les plus pour cette bataille côté Dieu pour nous survivre, mais c'est une bataille pour libérer tout ton peuple. Et 85% de monde qui est 85% de richesse pays à l'envers. Je dis à la boumée parce que 50% petite malheureuse après études primaires qui va continuer études secondaires. Je dis à la boumée pour le monde sud, pour le monde nid, pour le monde grand est, pour l'État va au crédit puisse passer 2 millions de boules. Pour ça, nous sommes capables de construire caillot et tremblement de terre dans le gaz. Et nous savons, nous chaque paysan, c'est l'entrepreneur. Paysan a besoin de corps pour faire élevage, paysan a besoin de corps et pour nous planter, paysan a bien assez d'argent et que pour nous commencer à fonctionner, je le savais dans le passé. Ça l'argent, ça est comme l'argent que nous avons demandé l'État haïtien pour faire nos cadeaux. Son l'argent nous voulons qui est disponible dans FDI. Son l'argent nous voulons qui est disponible dans Banque Centrale. Son l'argent nous voulons qui est disponible dans l'ONA. Peut-être, si quand même le terme, c'était nous qui richons des frappes. Si c'était 5% de nous qui est richesse, ça nous est les bourgeois. Et que quand même le terme des frappes, nous connaissons l'État qui est apparu, non seulement pour péter l'argent, et puis pour aller au franchise citoyen. Je dis, hein, c'est malheureux, malheureux, dans le Nid, dans le Sud, dans le Nord, victime, nous ne sentons pas la présence de l'État contre nous. Nous profitons de la bonne manière pour nous dire, chaque monde qui est là, bataille ça l'a mené dans ces batailles pour libérer le pays. La bataille ça l'a mené dans son bataille. Pour qu'ils fassent jeune pour ma jeune garçon, après avoir fait études, ils sont capables de jouer de mon côté pour le travail, ça n'est pas obligé à grimper devant le monde, mais qu'ils soient des compétents et qu'ils sont capables de jouer le travail. Bataille, ça que force révolutionnaire chez les familles et alliés, mais il y a tout à faire. Son bataille pour qu'ils permettent que le monde entier, ou le peuple haïtien, ont leur façon. Parce que nous prenons l'aide dans les yeux du monde. Mais dans le cas de l'humiliation, fait accès à nous, après on va pour Texas, ça suffit pour la révolter nous. Mais, dans la vie, l'humiliation, ça va mourir après on va pour Texas. C'est bon pour m'appeler, peuple après pour éviter le pays. C'est depuis 1804, méchant, prend l'économie pays ça en otage. Et plus passé 50 ans, depuis tout le monde, ça a une mauvaise gouvernance. Mais les pays dans un état de pauvreté extrême, qui fait jeune pour ma jeune garçon, obligé de courir au Brésil, en Chili, à la République Dominicaine. Si nous ne volons pas l'argent, c'est IRH. Si nous ne volons pas l'argent, Petro-Caribéen. Si nous ne volons pas toute aide, pays à recevoir dans notre pays. Si nous ne pensons pas avec mon divine, mon divine est assez populaire. Moun nan cité soleil, moun nan voir Jérémie qui a dormi le côté à cochon. Si vous réfléchis à moun nan Valéna, Delma 2, Delma 4, 4 toilettes dans sa chair pour voir le canal en Vénéen. Si vous êtes tenu compte des jeunes comme un jeune garçon qui nous disait, je dis à nous voler l'argent ça, et puis nous faire peuple marcher dans l'humiliation dans le monde entier devant le monde, et que longtemps nous devons passer. Avant de voir. Et Manino Allé, l'équité chagré dans le cœur, chaque chef de notre poste révolutionnaire, j'ai les compagnies et allié Manino Maïdou. Pour Léon Charles, Manino était capable de bâtir. Pour Léon Charles, Manino était capable de chef de nous. Mais pour nous, force révolutionnaire, j'ai les compagnies et allié Manino Maïdou. Manino, c'est ton combattant. Pour nous, notre force révolutionnaire, chez les compagnies alliés, Manino était mon frère. C'est peut-être ça, l'effort pour vous, pour gonfler pour les vous et pour garder vers l'avant. Tout le monde a tombé. Pas que nous qui va tomber. Mais l'offre est tombée, c'est l'état active. L'habitude de nous, notre force révolutionnaire, chez les compagnies alliés, et nous toujours levé. Et nous toujours levé. Parce que bataille n'a pas assez bataille pour libérer tout ton peuple.
bataille n'a pas assez bataille pour libérer chaque ville, monde en Haïti qui t'a le voir dans Haïti, ou Haïti côté du travail, ou Haïti côté de sécurité, ou Haïti côté diaspora ou capable de venir investir, ou Haïti côté de vivre avec monde qui a kidnappé monde, ou Haïti côté que nous capable pas de l'estomac et que nous sommes fiers de ce que nous sommes haïtiens. Avant de former nos gens, mission pour échouer. Mission pour caser parce que révolutionnaire de la famille et aller dans les gens tout là. Mais nos gens nous échouent pour arriver par le peuple en sécurité. Nous avons vivre avec tes sautés et sécurité à tous côtés. Nous ne pouvons pas marcher. Il y a des kidnappés de tous côtés. Qui sont faits pour empêcher que nous kidnappions dans le pays? Mais au lieu que nous mettons en sécurité, pour t'avoir une sécurité, parce qu'on paye l'argent taxe pour ça. Quand vous t'avez cherché par exemple la sécurité, vous pouvez faire l'argent dans mes boulots et que vous assassinez Jimmy Chérissé, mais c'est bien monté dans le cabinet. Nous disons déjà, nous ne pouvons pas faire ça sous toutes les salles. On joue fait, on joue à mourir. Mais chaque jour, nous demandons qu'un architecte pour garder nos forces pour mourir, ça m'a ramené. Chaque jour, nous demandons qu'un architecte la force, pas jamais quitter et que nous prenons en lâche. Mais quittez-nous mourir pendant la coumée, parce que l'on mourit pendant la coumée, nous étions quoi que. Et même nous gardons l'autre côté, parce que nous ne pas mourir en lâche, nous mourir en soldat. Léon Charles, vous échouez dans la mission d'aider pour sécuriser le ça. Vous échouez parce que vous marchez faire massacre dans le quartier populaire. Vous échouez parce que si on ne pas qu'être nous, dans le 75, sous-prétexte de 5 ans, à l'exception de Mali, nous sommes capables de dire. Qui est des armes dans le monde. Et ça fait tout carré le bandit ou carré le chef. Dans le milieu, on a une liste qui mourit dans les 60 questions comme bandit encore. Même gens, ou si on n'a pas de jeunes artistes en dehors de la vie de l'État, dans la liste qui mentit, parce que nous avons gens qui ont une fois pour arrêter un bandit pour présenter le bail à la presse. Pour avoir une fois pour arrêter un bandit et que qui tape mieux le pays, au contraire, pour collaborer avec eux chaque jour. Léon Charles nous échoué, ou assassiné Malino, et sous prétexte de l'asile des plans. Mais non seulement nous avons démission Léon Charles, mais nous avons voté plein pour Léon Charles. C'est ça que nous avons construit un cabinet d'avocats, et que tout le monde qui mourit dans le quartier populaire, des façons innocents, et que nous avons voté plein contre Léon Charles, pour crime et massacre de la population haïtienne. Et dans le moment triste, ça, nous n'avons pas de place pour nous battre à vous. Nous ne pouvons pas aucun monde pour nous battre à vous pour nous. Au contraire, nous pouvons faire pour nous et puis ensemble, on nous met les mains à aller. Merci à vous. Bon, m'pense nous wè a clair comment mes sali même li tap déroulé, nous wè façon tout que Jimmy Chérissé li habillé. Mes amis d'Haïti Media, on yon sacré de là, barbecue chanté enterrement l'autre là coué son gros officier, le pays d'Haïti pété, c'est le drapeau qui manqué sous ces là oui, parce que nous wè Jean Michel habillé, nous wè Jean le parler. Bon, mes amis, pas bon menti, pays d'Haïti un pays tintinade, pays d'Haïti un pays en dégringolade parce que m'pas bon menti. Pendant 10 dernières années ça ou là, gen en pile gang qui créé dans la République et m'pas bon menti, m'pas pral rentrer dans faire sondage, m'a pral rentrer dans faire recensement parce que m'gen 11 ans même qui a cité quelques non gang que le connaît là bon territoire yo. Si m'd'a bon pour m'expliquer là, ça ka créer plus que sauter parce que effectif là c'est yon tête chargée qui lié. Est-ce que l'état lui même réellement li ta vle résoudre problème insécurité ça? Jusqu'à présent ces questions m'a posé même pas quoi. M'ba ouais yon volonté politique pour l'état ta va contre carré bandi ça. Bon bagay qui vraiment bizarre dans enterrement maninoa qui ça qui lié. Question qu'a posé. Côté vous prenez barbecue, jouen corps Manino. Parce que nous rappelons, parce que imagine, tu prends la ri, nous te wè après la police te fin fait gros bouton ton opération. Ça, en pile, moun te tombé dans Delma 75. Te gen yon juge de paix accompagné avec ambulance. Vous comprenez, vin ramasser moun yo al avec yo. Assurément, yon cadavre koué cadavre Manino, li te sous contrôle l'état. Mais jounen jodi ya, nous wè cadavre la te nan men to barbecue, li tap fè funérailles la. Question ka pose, m'a pas menti. L'état haïtien gen la m'ba nou le gen. L'état haïtien, si nous pas nan complicité avec chef gang pa bo ici les comme ça en pile haïtien tap gen tan rale yon souf. Ça me dit à la m'konnen gen en pile moun ki pral kontre carré, ça me dit à la gen en pile moun ki pral fâché, mais on d'accord avec yon chef gang puissant comme ça que la police fizye nan kad yon opération koun ya pou gang ça comprendre cadavre gang lan pou lanmen on est coué Jimmy Chérissé. Bon on imagine nous pour qui ça cadavre policier 12 mars 2021 yo comprendre Léon Charles pas de rentrer al prendre cadavre ça yo et puis facile comme ça pour cadavre
cave Manino tombé directement dans main yon nèg koure barbecue pou le faire funérailles là monsieur nous rense réellement avec pays monsieur. En vérité, il est temps pour nous penser bagay yo, il est temps pour nous repenser bagay parce que m'pa bon menti. Gen en pile officier dans pays ya la, gen en pile agent. Nous comprenons konnen gen en pile zanmi policier, li a parlé avec moi, yo toujours ap dim, yo vle kontre carré gang sa yo, mes chef yo, comprenne supérieur hiérarchique yo, yo pa jam vle bay l'ordre. Et c'est si le temps de yo tamen yon opération, pou yal fè tel côté dans tel endroit dans zone rekile yo, dans zone de non droit yo, les kon sa nèg kap jere zone nan getan informé, et ben sortant de ya policiers aller soit aux victimes soit au comprendre opération mal passée. En tout cas m'a dit ça déjà ti messieurs qui composait l'état nous gen vrai famille là nan men nous c'est parce que n'a caché nous pas vle passer à l'action parce que jounen jodi a si nous passer à l'action nous même tout n'a très vulnérable dans communauté haïtienne dans des faits parce que m'pa bon menti puis fort autorité haïtienne yo pour pipiti yo gen des trois nèg comprendre qui dans affaire gang qui s'est allié avec yo gen des trois nèg qui dans affaire gang qui c'est zanmi yo dit ça déjà zanmi Haiti média parce que m'était ouais yon nèg koué ancien sénateur Youri la tonti il t'a mou comprendre il t'a font conférence pour la presse pour t'a parler avec ou comprendre autorité pas bon ici pour dire maintenant qui formule pour passer pour résoudre problème insécurité a même là oui c'est vrai que m'comprendre qui va aller comprendre et dévouement que Youri capable gagner pour ta résoudre problème insécurité a mais Youri ou d'accord avec mais pas fait comme ça suite avec technologie nous connaît pas seul monde qui paisible nous pas connaît pas seul monde qui droit cap utiliser cause ça même bandi yo pi éclairé passé nous dans avec technologie a l'a défini plan stratégique yo comme ça on prend pendant gen caméra la presse qui a fixo ou konnen ça son internet lié ou konnen ça son laver main si est à terre journée jodi a si nous voulons contrer carré gang yo il faut que nous gen aide yon force étrangère comprendre d'emblée qui vini là qui pa pral nan boue comprendre fanta qui pa pral nan coule grog yo qui pa pral nan boue di 20 boue champagne mais au contraire qui konnen yo vini là nan yon objectif pour pacifier pays d'Haïti et bien pour yo fin faire ça y a fait après ça pour nous ba la main remercier yo le fait que vous êtes d'accord accompagner pour mettre sécurité dans pays a ou capable mais ça m'a dit ya mais actuellement dans moment pour façon autorité pas bon ici yo politiser vous comprendre institution policière là et bien ça vient rendre que police là malgré nous gain en pile et technique nous gain en pile tactique pour nous contrer carré nèg yo mais nous vinn pas contre gens inefficace nous pas bon dit tout là parce que nèg yo gain tant compte plan yo déjà à chaque fois nous tamen nous mouté un plan d'opération getan nan la ri li getan rivé nan espace côté nous visé al mené opération si la bagay yo vraiment grave bagay yo vraiment en pile zanmi tay Haiti media on yo map dil encore phénomène insécurité a li débouché sous plusieurs aspects phénomène insécurité a li débouché sous plusieurs phénomène mais journée jodi a gen en pile gros chabrak ka fè boîte bè yo l'autant de y a kidnappé moun gen en pile gros chabrak ou konprann ka fè boîte bè yo l'autant de gen deux groupe gang kap toke kon yo population haïtienne ap tombe nèg yo c'est ça yo remen d'ailleurs parole ça m'a dit ala n'te konnen yo déjà parce que mouché Anel Joseph n'site non ba de tunnel li te même ki t'en parler toute cause ça dans la république te parler avec yon juge comment pou le di gen en pile nèg ki konn bal gros l'argent la l'autant des pays d'Haïti pa gen pays d'Haïti fret yo bay quoi pour tirer coup de balle bagay yo grave bagay yo en pile mdou journée jodi al tellement li tellement facile pour nèg yo fédérer gang nan pays a et yon nan bagay ki paraît bizarre nèg la fin fait gang ni oui li pa prend trop temps pour le gen zam li pa prend trop temps pour le gen munition li pa prend trop temps pour la ville changer m'pa ka comprendre bagay ça et ceci gen en pile jeune garçon jeune femme là l'autant de gen tel gang qui créé inscription ouvert yo pa gen le choix yo obligé à l'inscrire même pas bon menti devient de la société avec yon citoyen mon cher yo tout les de gen sentence c'est ou même qui pral konnen qui ça choisi parce que ni devient ni citoyen ou pa ni devient ou pa ni citoyen ou juste nan chemin ou choisi ça ka bon pour wa avec sentence qu'après tant nous bagay vraiment grave et l'autre détail zanmi tay Haiti media on ki m'pral ba nou la fòm di nou bandi exam enlevé yon moun jounen jodi a bon l'hôpital Petit Frères et Sœurs nan commune Tabam ba gen identité moun nan mais fòm di nou nan moment nèg yo tap al enlevé moun si la fòm di te gen en pile escombri te gen bal ki tap pété te gen journaliste radio Kiski a ki te présent ki te nan route pour al couvrir yon conférence et ben nan zone bagay pou al nan ba immigration mais jounen jodi a zanmi tay Haiti
Haïti Media on yo, mais comment pays d'Haïti même li trouvé, maintenant qui état autorité haïtienne yo mette pays ya. Kidnapping a augmenté de jour en jour, effectif là la vin pillage et forme dit autorité haïtienne yo pa jam bat ko yo pa jam fon façon la pour yo wè comment yo te capable résoudre yon tel phénomène comme ça. M'pa bon menti, nous j'aime tande nan tout za kidnapping ka fait pour gen yon nom ou bien yon petit ou bien yon allié, yon sénateur, yon député, yon politicien, ou bien c'est tout nek sa yo ki sous scène politique là. Nous j'aime tande yon femme yo victime de kidnapping, nous pas toujours ses propres frères accès nous yo y a kidnapping dans la ria, nous pas poser question ça pour qui ça va en river sous yo. A dit même qui pi gen chance et nous même qui pi devenne. En tout cas parole yo en pile bagay yo vraiment drôle dans la République Zamitay Haïti Media on yo. Même m'a dit nous pays d'Haïti légende là li changer le pas l'union fait la France encore, mais c'est la prudence et des mises. Pas oublier cette nèg en tout prête là voix information yo nan bagay pour connait avec Moinga Haïti gen deux produits gen outils gen bonne gen outils a qui sont pour mat fait avec environ 8 produits organiques li là pour allonger tol pi nous pour détirer pour bali bon gens allongement bon gens grossier tout sous passer régulièrement et en même temps gen bonne li même qui sont comprimés ça fait avec 13 plantes naturelles li là pour augmenter libido freiner sec conquépin ça qui pote non bec à terre on passe ou prend 3 comprimés ça yo chaque jour dans moins qu'une semaine ou si vous avez joindre résultat ou si vous avez gain résistance l'entendez ou à jouer souterrain moun yo rele Moinga Haïti surtout fois ou dans pays d'Haïti dans 37 55 46 06 et surtout fois ou l'autre bodlo composé kounya même 514 896 97 76. Et pas oublier application Césap Deal, c'est une application qui fait spécialement pour même qui dans affaire business ou même qui gon projet qui kanyan pour ta même mettre le sous pied mon gon carence en client journée jodi a fin download application ça mettez sur smartphone nous à l'acheter marchandise à faire photo marchandise à poster sous gros bouton ton application ça ou après comment marchandise à vendre plop la vendre pirette couwe papa dap et forme de formule lancée parce que malfaiteur ou pas connait avec zap ou pas fouti prend vieux tap non même mouché malfaiteur. Pas oublier M&M cosmétique c'est un magasin en ligne qui est capable à le visiter kounya même yo sur Instagram yo sur Facebook yo vend divers produits qui gen pour avec cosmétique yo vend en gros et c'est si yo vend en détail responsable M&M cosmétique là li lancer produit yo à prix PI et gen 10% rabais client yo bénéficier encore après réduction prix si là tout ça déjà n'importe bagay ou konnen gen pour wè avec produit cosmétique sous bout terre benisa ou ap jwenn tout nan M&M cosmétique rele yo nan 707 596 37 66 ou capable écrire une adresse ça mmcosmetic21@commercial.gmail.com. et pas oublier même bonne visibilité bon promotion et bien kounia même ou capable écrire sur haitimediaon@commercial.gmail.com pour un petit grab diamondé m'a bolov là et en vérité ou pas capable satisfaire depuis nan même semaine c'est parce qu'on pose question hein, d'abord et le mec qui est toujours intrigué moi marqué ça depuis hier l'homme t'a présenté le livre la conférence de presse c'est le titre pourquoi Sylvain Salnave, la douce amère, comme sous-titre. Mm-hmm. Bon, tout d'abord, il faut comprendre le contexte. Côté Sylvain Salnave, rentré sous cette politique-là. Et il faut nous comprendre tout que c'est avec Sylvain Salnave que pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, on parle d'un nouveau acteur politique, c'est celui des masses populaires des villes. Et pour qui c'est rentré, c'est parce que le problème agréable là, depuis que le pays a fait, n'est pas jamais résolu. Tout le monde qui dirigeait le pays était toujours partisan de la grande propriété. Et dans le nord, il était contenté depuis Christophe fait de moitié, tandis que dans le sud, même ça n'a pas de fait. Donc ce qui fait que le paysan vient réfugier dans le travail pour lui, et puis pendant qu'il a pris un café, il a pris ça la poudia, lui-même l'a fait vivre alimentaire, lui, mais pas lui au point que la situation n'est pas bonne. Et la situation n'est pas bonne, il témoignait, par exemple, avec la révolte de Gouman, de la Gandasse, avec les piquets de la CAO de 1944 à 1947. Mais tout le gouvernement, que c'est Christophe, que c'est Dessalines, que c'est Boyer, que c'est Geffroy, il a toujours fait des codes ruraux qui pourraient strainer les paysans de travail pour les grands dons, pour les grands commerçants. Et puis arrive un moment que les paysans commencent à déplacer. Quand ils ont du rural qu'a fait, il a gonflé certains quartiers, la Moto, Gonaïve, Sainte-Hélène, Jérémy, et Monatuf, La Saline, Port-au-Prince, et la Fossette au Cap. Donc, vient gagner une clientèle sociale, une base sociale pour un homme politique, mais il ne va jamais m'occuper de ça. Lorsque Geffroy est arrivé président, Geffroy a fait un code rural qui pourra strainer les paysans au travail toujours pour les grandons et pour l'État, mais jamais pour eux. Mais en même temps, tout, Geffroy lui-même, par certains côtés, il était progressiste. Il fait un peu l'école, il commence à faire mon classe moyenne, mais ça arrive, c'est que l'homme où on sort de l'école, il faut que je travaille pour le faire. L'homme où je travaille pour le faire, c'est que
qu'on y a la politique. Parce qu'il faut que les jeunes côté pour vivre. Parce que ça veut dire que lorsqu'on sort de l'école, on retourne à cultiver la terre. Non, du tout. Parce que pas aucun encouragement pour cultiver la terre. Justement, ça veut dire. Donc, étant donné que le niveau de l'école, c'est très bien, mais l'offre à l'école, il n'y a pas de jeune travail parce que il n'est pas protégé le marché national. Il n'est pas réellement encouragé la production nationale. Là. Et à l'époque, les grandes puissances de l'Angleterre en tête, ils ont même voulu que des pays comme Haïti, c'est pour du pain pour acheter. Très bien. Donc, on vient de deux classes de monde qui sont contents. Vous avez ça, donc, les masses populaires urbaines qui sont de paysannières. Et vous avez tout cette naissance de classe moyenne. Mais contactement par l'esprit belle donc avec les élections de Sylvain Salnavocap en mai 1865, nous sommes sur Giffard. Et de ça, la société capoise dans son ensemble soutenit Salnav. Mais la société capoise a rendu compte que peuple à four et bouche n'a posé à, les élites capoises parlera les couilles sur Salnav. Et de ça, c'est masse populaire urbaine ça. Qui a ramassé Salnav, parce que Salnav n'a pas trahi le tout. C'est le premier élément qui est fondamental là. Et puis, M. Palvini, vraiment, à partir de ce moment-là, un héros populaire. Et c'est la première fois tout dans l'histoire d'Haïti pour aller non seulement l'éruption sur la scène des masses populaires urbaines, mais aussi des femmes. Et Salnav, c'est le premier qui n'a pas hésité à faire femme entrer comme militaire et même faire femme générale. Qu'on y a là, résistance là à l'armée Géfoy là, et l'armée Géfoy là, c'est pas ton tiers armée, parce que non seulement Géfoy a fait éducation, mais Géfoy a modernisé l'armée. Et à la tête, où tu as les plus brillants officiers de l'époque, Petiofo, Bernissa et Sagen, ils n'ont pas réussi à bout de l'insurrection Salnav là. C'est une erreur diplomatique qui n'est pas faite. Et puis l'Angleterre qui a soutenu Géfoy pour profiter de faire bateau de guerre, bombarder le cap, le Salnav perdu là en exil. Mais cependant, Haïtiens, en général, papa a donné Géfoy que c'est grâce à une ingérence militaire étrangère que réussit à craser l'insurrection haïtienne par elle. Ce qui fait donc que Salnav vient à la fois au héros populaire et au héros national. Et c'est comme ça que, quelques temps plus tard, en 1867, lorsque Giffoy est tombé, la présidence de Salnav devient quelque chose comme d'incontournable, d'inarrêtable. Même quand Victorin Chevalier était bas en coupe, mais pour jeter Giffoy, même quand Issa Sagé était bien placé, mais lorsque Sylvain Salnav sort d'exil, débarque au Cap, population capoise là, campée, se descendre de Port-au-Prince, passer Gonaïve, passer Saint-Marc. C'est une marée humaine, j'aime décrire dans le roman, parce que moi j'étais le plus proche possible de la vérité historique, qui rentrait Port-au-Prince à Salnav. On n'a jamais vu ça dans l'histoire d'Haïti jusqu'à date. Et c'est ça qui fait mon témoin qui est là qui dit c'est un triomphe romain. C'est sur l'Empire romain seulement. Le consul qui est sorti victorieux d'un coup César dans les Gaules, qui a rentré à Rome pour dire ça. Donc Salnav devient inévitable. Mais les élites haïtiennes clés sont gamins. Je dis, monsieur, ça. C'est pas longtemps le tremblement de terre. Jean-Noël, ça est là, c'est l'annonce de tremblement de terre. Parce que, monsieur, passe dans mon air qui est achetable. Bien sûr, bon réflexe qui va le faire, les élites, en bonne partie constituées de mulâtres, pourra le dire que, comme ça, là, son mulâtre, n'a pas essayé de prendre sous Angza, mais ça va marcher. Monsieur, peuple à Potel, il est posé, monsieur, comme président. Assemblée constituante là, qui est réunie, font constitution libérale, mais en réalité c'est une constitution qui voulait limiter le pouvoir président, ce président inévitable. Donc il va quitter tout pour lui, il va contrôler. Et ça n'a pas rendu compte que revendication que peuple s'est charrié, hein, constitution ça, j'en dis, hein, bon, libéral, c'est très bien, mais le peuple a fait plus que ça. Et inévitablement, bon affrontement pour le faire entre messieurs constituants qui changeaient tête carrément. En Assemblée nationale. Et puis, bien sûr, le pouvoir salnaviste et le Salnav affrontement, peuple a entré dans le Parlement, il fait un Parlement, il chasse tout le monde. Le Salnav nous quitter la phase de s'aurélé l'arme de la dialectique, l'arme de la parole, et très vite, nous allons rentrer dans la dialectique des armes. La guerre civile, la lutte des classes atteint un point de guerre sociale, de guerre civile, et dans le moment où nous rendons compte de ça, très vite, c'est bien sûr moi au canal, qui était Port-au-Prince, qui frère, qui est un militaire, mais qui est un politique avisé, et c'est dit ça, ça j'ai tout. Il a dit, bon, Jean Saïla, inévitablement, nous n'avons pas qu'à résoudre cas sans que ce n'est pas un affrontement violent qui fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Il n'a pas pas l'attaquer sa lave de front, je parle là militairement, pour montrer que son lutte est lutte contre masse. Il n'a pas le point mesure, il n'a pas le point tactique très usé. Pas oublier, M. dit que dans le Nord,
Les grands dons, contrairement avec le sud, ils étaient pratiqués depuis Christophe, c'est le système de moitié. Ça te permet de une grande influence sur les paysans. Ils étaient mettre tête paysan. On rappelle-nous ça, le système de moitié. Le système de moitié, c'est là, par exemple, où sont grands propriétaires, et puis les paysans sous terre, par exemple, ils travaillent pour eux, et pour dire bon. La récolte l'arrivée. La récolte l'arrivée, ou un pas, et puis reste à moi. Non, moitié, chaque moitié. Bien, c'est ça. Donc, ça te permet donc que messieurs qui sont grands noyaux, et qui comptent ça là bien, parce que ça n'a pas c'est le grand il a le soulevé pays dans ça. Contre ça là. C'est-à-dire manipuler. Il a utilisé fausse conscience de classe. Il a dit pays vous allez bien. Où est ça là? Même si c'est un monde pareil, même si c'est un monde capable, mais c'est un mulâtre dangereux. Mes expressions. C'est un mulâtre dangereux. Ça veut dire la ville bretonne et n'a perdu tout ma veille. À ce moment-là, il va l'utiliser un paysan intégré, M. Robert Noël, qui parle à la tête de mouvement ça. Qui est le mouvement Kakoa. Donc, mouvement Kakoa, son mouvement, mettait sous pied, manipulé par les grands dons, les grands commerçants, les grands financiers du Nord, contre sa lave, mais pas eux-mêmes d'abord ouvertement. C'est les bois après le marais, ils ont pas l'entrée dans la bataille ouvertement. Mm-hmm. Parce que les salles d'abord, ça lave prend la belle de monter au camp. Pour la mater, l'insurrection. Et au moment donné, le livre autour du Nord, les voit que le pas capable de faire la guerre avec Constitution Sahara. Qui veut marrer pour être lui, et puis il fait ça au l'acte du trou du Nord, côté libertaire de tout pouvoir, depuis Constitution merveilleuse. À ce moment-là, c'est l'explosion. C'est-à-dire, c'est la violence généralisée, pays a divisé catégoriquement en deux. Et c'est le plus gros apport que Sylvain Salnave portait, c'est que dans cette phase-là, toutes anciennes âmes qui étaient utilisées pour tromper masse, comme Danoulo, noir, ou c'est mon peuple, ou milat, ou c'est mon bourgeois, avec Salnave, c'est fini. Ou pas qu'à utiliser Baïsaïo encore. Parce que jouer être la clé, c'est ou bien ou avec Masla, ou bien avec élite. Si les gens qui sont dans Masla, qui soutenir cause élite là, c'est un quoi paysan dans l'œil, c'est des gens qui ont joué sous fausse conscience de passion. Et dans les deux camps, ou bien noir, ou bien mulâtre. Salav est un mulâtre, les gens noirs avec, les gens mulâtres avec. Et dans le cas face là, ni ça s'agit, son mulâtre, bon au canal, son mulâtre, mais Michel Domingue, le tout-puissant homme des cas, ils sont noirs. Hein? C'est Timus Ramoka avec les Kineville, sont noirs. Donc, dans les deux camps, c'est-à-dire que toutes âmes traditionnelles que les politiciens haïtiens qu'on a pu utiliser, ou pas capables de servir avec eux encore, parce que ça l'a mis des luttes de classe là à clair. Mm-hmm. Il dit, mais fondamental problème pays. À ce moment-là, l'autre acteur qui est très important, parce que c'est intérêt, danger, c'est la communauté internationale. À l'époque, c'est l'Angleterre, c'est la France, c'est les États-Unis. Sorti dans la guerre de sécession, la pensée pleine, libre pour une grande puissance. Pas bien que l'Angleterre était sur des Geffrard. Et pas bien la France tout, à cause de Concordat. Parce que Geffrard était ben, le clergé, en majorité français, pied-à-terre ici. Il y a une contre Salnave. Monsieur Sarou contre Salnave. Il n'y a pas le soutenir l'opposition à Salnave. Il n'y a pas l'armée, il n'y a pas le financier. Il n'y a pas l'introduit la mitraillette ici. C'est la première fois que mitraillette paraît ici pour décimer les troupes de Salnave. Il y a un roman bien montré. Lorsque M. ambassadeur Sayo a dit au membre clergé, a pas inquiété. Nous ne pouvons pas mettre des armes sur le navire, parce que nous pouvons venir à une arme moderne qui peut tuer par pile par paquet. Il y aurait la mitraillette. Et mon clergé, mon Seigneur, tellement content, lui font la prière au nom de la mitraillette. Je l'entends qui chante, qui ceci, qui cela, parce que déjà, ouais, c'est la délivrance. L'arrivée de la mitraillette. L'arrivée de la mitraillette ici. C'était qui, mon Seigneur, encore? Bon, je vais toujours dire, mon Seigneur Guillaume. Bon. Que non le point n'arrive pas de quoi maintenant qu'on y a là grâce à la porte ça monsieur Sarah donc il y a allé au tête bon mon canal il s'agit je sais que ça n'a pas de et ça n'a pas rendu compte que bois marie donc il n'a pas de la manette l'abjure 4 de classe là tête calée parce que il n'est pas capable bah une mille de gain parce que bah une mille de gain c'est fini peuple a perdu monsieur les numaribou numaribou c'était un mulat du sud qui était un ancien homme de Jean-Jacques Acao, qui avait soulevé les piquets dans le sud, parce qu'en réalité dans le sud. Pas oublier que nous toujours parler de Bois Caïman, nous toujours parler de la révolte de Bois Caïman. Mais première révolte esclave, c'est dans le sud où il fait. Première, il fait en janvier 1791, avec la révolte des esclaves des Platons. Le sort de Boukman, ou bien Goumaladen, ou bien Gilles Bénèque, ou bien Samedi Smith. Et monsieur, c'est en réalité où on est. Qui permettent que vous avez une conscience de classe plus claire que les paysans en ont. Mm-hmm. C'est que monsieur, ça vous connaît
que ses propriétaires blancs, mulats ou bien noirs, c'est même goût de bois. Mon seul, pas entendre pour pas rien. Et c'est ça qui fait pas chambé de balézam. Et le 1804 arrivé, on est un gouvernement. Pas rendre compte que eux même qui étaient gouvernement pour l'indépendance, pas j'en ai rien, ils pas fait insurrection dans la menace. Ils ont crasé, monsieur. En 1844, Akao déclenche la révolte des piquets. Parce qu'il était voulu que prix marchandise fixe l'autre gens. Il était voulu la faire exploitation qui sont une couleur à suspendre. Et pas oublier, c'est Akao qui a mis ce mot fameux. Les deux, mulat pauvre, c'est nègre. Nègre riche, c'est mulat. C'est-à-dire, il est clair que ce n'est pas question couleur d'abord, c'est question l'argent qui comptait. À voir. Et lorsque Numa Arrigo arrive 20 ans plus tard, après la mort d'Akao, son suicide dans les montagnes de Nsavo, et que Numa Arrigo réunit tout ancien piquet, et puis il dit yo, Sylvain Salnave, même lui Akao t'a mené, s'il l'a ressuscité au plus haut niveau de l'État comme président, son lutte populaire. Sylvain Salnave pour le bail la terre à ceux qui la travaillent. Il n'est pas bien fait, non? Et à ce moment-là, tout ancien piquet, c'est-à-dire la paysannerie du Sud, qui lui-même répétait le contraire à la paysan noire, qui était gagnant, qui était conscient de classe plus claire, intérêt plus clair, il va le soulever en masse, puis il vient sauver Salnave qui est encerclé par ses ennemis à Port-au-Prince. Donc Salnave desserré, toi, qu'on y a là la guerre de classe, la guerre civile, elle est totale. Et bien c'est à ce moment-là que Nisa Sajé Bois mon canal rendu compte que le pape capable de vaincre Salnave pour quoi. Et que définitivement sans l'aide étrangère, d'une part, et là son ajout dans le roman qui vient d'intuition moi, et moi le voir au bout qui soit. Pays arrivé dans le point de faiblesse tel que son appui étranger ou homme politique ou pas capable de gagner une cause. Étranger pas pour cadeau, il faut défendre tel. Monsieur Sager, bon, au canal, la domaine, il n'y a pas de problème. Même si vous coupez pays en trois, le nord, Sager prend le poli, le domaine prend le sud poli, ça n'a pas de temps. Mais monsieur Sordi, blanglais, blanc français, tout ça, ça n'a pas de faire, même si c'est le contraire que vous voulez faire, mais aidez le côté, monsieur. Donc, monsieur, vous parlez de la mitraillette, vous parlez de l'argent, vous parlez de détruire tout blocus que bateau ça n'a pas de mettre pour empêcher ravitaillement à l'extérieur. Et coup fatal là, c'est l'ambassadeur anglais après 10 Sager avec canal. Ce n'est pas chez Daboumé dans Bois Province, non. C'est pour attaquer Port-au-Prince direct. Salnave achète un bateau qui est la terreur, son gros bateau de guerre. L'acheter l'homme américain. Le monde qui commande les bateaux, son capitaine américain. Les bateaux ont une pièce canon redoutable. Je n'ai pas acheté capitaine. Je n'ai pas attaqué Port-au-Prince, c'est le premier acte que j'ai fait. Je finis de payer capitaine. Je n'ai pris un bateau pour nous. Et capitaine a appelé nous pendant que nous avons boumé avec Salnave dans le cœur de Port-au-Prince, dirigé quand nous sommes au palais national là, et puis bombarder Salnave jusqu'à ce qu'il éclate dans tout le palais. Ce qui sera fait. Mais en même temps, tout, au canal, lui-même qui compte payer bien, au canal dit nex ça, libre, c'est vrai, il est déterminé, c'est vrai, il est sincère dans le corps social, la défense, c'est vrai. Même ce qu'on secret, et ce que la forme donne. Parce que ça, il bon, est simple. Et c'est comme ça, bon, au canal, pour réunir les sociétés secrètes de ce pays, et on va joindre qui est-ce qui protège Salnave. Et qui est-ce qui a un secret Salnave. Ça m'a dit là, sans on oublie le vaudou haïtien d'Alfred Mitrou, qui est un gros ethnologue, et un ethnologue qui partait en croyant, c'est un marxiste qu'il était, c'est le meilleur type de monde qui pourrait écrire sur Bali, ça veut passer des mondes, même pas quoi, donc on distance très froide sur ça. Même ce rapport lui-même que le joint que dans l'histoire, orale, d'où. Que une bague qui te permette que le canal te vainque, c'est Vincent Salnave, c'est que Ougan qui te travaille pour Salnave là, bail, canal secret Salnave. Un. Et le Mili, le Mili pas dit le concernant non lui-même. Le Mili dit qu'effectivement l'histoire rapportait que t'es gon Ougan Matissan qui te travaille pour Salnave. Oh la société secrète, qui ça oui. Les sociétés secrètes, c'est-à-dire des sociétés que Marron a été fait dans ces domaines que tu défends, tu contre la marée-chaussée, contre les milices des Blancs et les affranchis. Mais les indépendances faites, au fur et à mesure, les hommes qui ont pris le pouvoir, les grands affranchis, pour aller récupérer les sociétés secrètes, pour infiltrer, pour chita système, pour contrôler tête peuple. Et c'est ça qui fait un roman. Une scène terrible, c'est ça, Gary Victor Dimson, c'est excessivement subversif,
et il dit dans préface là bon canal joint nous gang après cérémonie toute société secrète la loi on gang il dit attendez les maps garde habitation là mais puis habitation pas au conseil de zombies qui comme travaille tu c'est dit ça veut dire que tu es déjà un zombie oui. dans moment oui. Non, 1800. 1867, oui, il y a déjà. A commencé longtemps. Son secret de sortie vient depuis l'Afrique. J'ai dit, maman, on travaille bien. J'ai dit, oui, vous nourrissez bientôt. Jean pour nourrir. J'ai dit, oui, bien. J'ai dit, bon, on est. Si c'est le médecin de la réussi, nous ne pouvons pas faire zombie encore. Donc, on est si le réussi, nous ne pouvons pas faire zombie, ça encore. Donc, quelle façon? Donc, c'est quoi, hein? Comme beaucoup de travail. Si le médecin de la foi, c'est que le peut-être qui va. Il n'est pas qu'on est. Il oublie que la lutte des classes traversait toute bagarre dans la société, même côté nous hier. C'est où ça le fait. Il faut profiter de lui pour le péter fiel. Bonne bouteille contre caché dans le mien. Tout de suite. Si c'est pas ça, ma fission. Et vous connaissez capable, il me pouvoir pour ça. Quand on a parlé de plus, on plaît de plus que vous. Et vous comptez ça. On est obligé de la bouteille là. À ce moment-là. Donc, demain. Faut nous comprendre. Non, monsieur, tu es déjà dans mes oui. grand pendant le président ou depuis avant. Avant. Depuis avant le président. Depuis avant. Et m'expliquer le moment. Qu'on y a là, c'est ça que fait. Le jour que oui, les sangs l'ont tombé, ils ont bombardé par les avec les bateaux, ça, que construit l'anglais, bombardé par les gens, ils ont acheté. Ils prend pour un capitaine. Non. Monsieur Sauvé, la République Dominicaine, pour laisser pour nous faire la guerre, grâce à l'appui des amis de Bravento Abaès, il n'est pas réussi. Cabal capturé sur frontière, il retourne. Et ça fait un moment, c'est un canal avec San Lav, la dernière scène, la capitale. Parce que le canal dit, monsieur, bague qui n'a pas été fort moi. Parce que sous pas moi, m'a obligé de faire tuyau à coup de manchette. C'est pas un mort qui est digne d'un ancien chef d'État. Pour me fusiller, il faut remettre mes bagues. Pour me restituer, je vais passer mes bouteilles là même. Mes bouteilles. C'est dans ça que je connais que c'est vraiment fini. Puis je vois une bonne bague là. Et le soir, je vais apprendre ça que je fais. Je vais retourner sur vous. Et le soir, je vais mourir digne dans ce chef d'État, je vais fusiller. Ou pas mourir à l'arme blanche. Et c'est ça que les amener ça là. Tout le monde qui était présent d'où. Que mon bague est ouais, que le canal fait. Quand on a un bruit fait. Et puis, on s'en lève pendant. C'est le bal à retourner sous le lien. C'est l'explication. Depuis qu'on a mis ce camou, il va en balle. Faut comprendre nos bagailles. Dans ça, il y a des zombifications qui sont fondamentales. Le monsieur fait Haïti, les gants affranchis, il finit d'utiliser les masses qui ont pris le fils des leaders. Des salines à fuser la modérance. Christophe a fils des petits Noël prières sans souci tout bas. Monsieur, ça reprend pouvoir. Il va le gourmet bouteille. Dans le gourmet bouteille, des salines mourir. Mais pour te rapporter, il faut le travail. Pour le travail, il faut que main-d'œuvre. On est un pays qui manque de main-d'œuvre. Pas d'esclavage officiel encore. Pas de traite des noirs assez ouvert encore. Pas de trois petites démarches traite, mais tout petit. Il y a des nègres qui peuvent servir à connaissance pour faire zombie, pour des esclaves qui peuvent travailler. Ce n'est pas seulement une question qu'on est fait mauvais bagage dans la zone. Il a fini au punir pour faire tourner un zombie. Non, non. Il a fait tourner un zombie pour travailler pour eux comme esclaves. Et il a tué conscience. Il faut top cerveau pour la chambre qu'il a parlé. C'est plus raide que l'esclavage que nous avons fait. Parce qu'au moins, pour l'esclavage, là, on était capable. Cerveau était correct. Il était capable. Même s'il était traumatisé. Mais ça, il faut top cerveau. Son mec était. Donc c'est une invention. Ici. Haïtienne. Ici. Maintenant, le cerveau avec comme ça. Parce que le calcul a été fait, qu'est-ce qui a été fait richesse colon blanc? Richesse colon blanc, c'est que colon, ce n'est pas, pas le fixé pour ni café, ni sucre, ni cacao. C'est la métropole. Tout ça que colon blanc a acheté, ce n'est pas le fixé pour ya, c'est la métropole. Mais comme les gens de vous gratis, qui se mettent des esclaves là, profil toujours assuré, c'est plus un petit peu plus. Yo même qui viennent voir place colon, parce que c'est pour ça faire l'indépendance là. Pour assurer profit de tout, parce que ce n'est pas eux-mêmes tout qui peuvent fixer pour le café. Ce n'est pas eux-mêmes tout qui peuvent fixer pour les produits importés. Faut que mon main-d'œuvre, je vais la dire, taillable et corvéable, à merci. Soit c'est self, soit c'est carrément des esclaves. Donc le canal dit ou grand que moi les Dieu le paix, dans le moment, on compte très bien qu'il y a un système à fonctionner. C'est ça le nav qui fait ouais,
pour tête de bas. Parce que il pas fini de comprendre que la lutte des classes traversait toute institution dans la société à sans exception. Même j'entends que la lutte des classes existait même entre lois, gen gros loi, gen ti loi. Pas gros ken ti loi tant que ti la quoi ti guide qui pas permettre li camper tant d'ado même au terre avec baron et au gounier et ni dans bilan ni dans bala, pas vrai. Hiérarchie partout. Hiérarchie partout. Donc faut en profiter de ça que monsieur faire parce que seul gens pour l'anéantir. Donc vous comprenez bien que donc son paquet de découvertes que mon capable faire là. Exact. Découvertes historiques. Exact. Et qui mon sal navetier et qui genre qui en société a fonctionné. Qui en société a fonctionné. Politique fait. Donc ça dit que ça n'a vive là dans plusieurs niveaux, c'est pas des bagages qui datent d'aujourd'hui. Moi déceler un petit côté populiste ou bon côté sal nav, c'est pas ça me tromper. Oui. Sal nav c'est évident, mais cependant ou pas qu'à reprocher sal nav ça parce que sal nav c'est 1867-1870. Oui. La théorie politique révolutionnaire peut être assez avancée. Parce que c'est après ça, la 20 ans après, qu'on parle que des événements plus ou moins semblables à Paris, avec ça, le mouvement communard. Les communards, même Jean Salave, c'est quoi dans la démocratie sociale, dans la démocratie directe. Il n'y a pas de quoi que la démocratie, c'était un vain mot pour tromper le peuple. Côté où rien doit dire qu'au grand bout de manifester, les finis occupent aussi, vous voulez. Mais c'est ça, surtout, il était quoi? Il faut que le peuple apprenne ce phénomène, que le participe dans l'affaire pays. Il a échoué, mais par la suite, les philosophes, tant que Karl Marx, qui était conduit de la guerre civile en France, ils ont tiré profit, ils ont réfléchi de l'expérience de la Commune de Paris, hein, et l'expérience ça pour permettre les révolutionnaires à venir canaliser l'action de l'autre façon. L'on parle de Lénine, par exemple, dans l'État et la Révolution, l'on parle de Mao Tse-tung, on parle ni la Révolution russe ni la Révolution chinoise, pour réfléchir sur l'expérience de la Commune de Paris. Ça qui veut nous la carrière, non? C'est que ça que la gauche là pas suffisamment réfléchi sur l'expérience Salnav. Parce que Salnav a fait quand même des choses très audacieuses dans son, pour son temps. En Haïti, par exemple. Gue commence à combattre lui, il dit bon, on a fixé prix. A fait comme on va pas fermer le peuple là. Ou monter pour jongler, ça suspend. Et là, il contrôle les prix. Et là, il n'y a pas de démagogie. Il n'y a pas de démagogie. Il contrôle les prix. Un. Deuxièmement, M. dit qu'il a pris le magasin de l'État. Dans des quartiers populaires, monsieur étudie des magasins, côté peuple là, à 50% du prix normal, est capable de joindre des articles de première nécessité. Donc c'est pas Eva Duvalier qui a inventé, qui a créé. Non, c'est Américain qui a créé le magasin d'État, c'est Eva Duvalier. Duvalier n'a rien à voir. Maintenant, troisième barème, monsieur fait, monsieur dit, pays a besoin de comme pour le foncer de bail. Est-ce que je vais chiter un bras de blanc, l'argent, pour mettre les pieds sous coule pire, sous pays a? Non. Chargez mon pays à gagner l'argent. Et on fait l'argent sous deux pays. Et nous, on est ta fortune. N'a pas posé pour participer, pour emprunter l'État. Et puis, M. Préon, commission, il a convoqué Mounsaïo, dit Mounio, mais État fortune, comment disposer pour prêter l'État pour le travail du pays. Ce sont des mesures carrément révolutionnaires. Donc, pas besoin d'où que ni grand financier, ni grand commerçant, ni grand don, tout et bien sûr, ni la communauté internationale, pour le que Mounsaïo, c'est vraiment un mulâtre dangereux. Il faut l'éliminer, il faut le tuer. Parce que sans quoi, masse populaire sacdelle là et qui vous connaît dans l'IA, il n'y a pas de pouvoir à son nom là. Il y a fait l'autre pays, côté nous par la donne. Donc maintenant, il faut bien comprendre. Pour qui ça, le, ça l'a fait tomber, le fusil. Dès qu'il fait un mois, il a fusillé mon quartier populaire. Un mois. L'homme garde la liste de monde qui a fusillé, ou après, un tel et tel blanchisseuse, un tel lavandier, un tel et tel son pote fait, des éléments populaires. Et mettre sous les premiers bagages que vous faites, le aussi au premier là. Oui, mais sous qui base, sous qui prétexte, vous tirez au fusil. Parce que vous avez dit, vous avez un dossier sur vous comme monde qui est avec Salnav. Parce que même le jour que vous faites Salnav prisonnier au travers de votre presse, vous êtes sous frontière avec Cabral Dominicain, livré le messager. Parce que, pas oublier, c'est une guerre sur toute île là. Vous avez un allié des deux côtés. Cabral Dominicain était allié à Sager et à Canal. Bonaventure est allé à Salvia Salnav. Le Salnav qui dépalé a parlé à sauter. Monsieur prend l'Olympique Dominicaine pour jeune appui dans mes baisses. Pour Cabral qui est intercepté, monsieur. Donc Cabral livré le baisse à Jet. Il entre avec lui, avec l'équipe. Ils font premier avec quoi des bouquets. Il m'explique très bien ça dans le roman. Trois candidats qui étaient avec monsieur. Le fils est tout devant monsieur. Quoi des bouquets. Un bon petit pause, parce que maintenant, j'ai rencontré avec le Port-au-Prince, pour ne pas oublier ça. Ils font une mascarade de jugement avec monsieur. Alors il faut dire ça à la mémoire de Bruce et Brice qui était ennemi, monsieur.
Tu as un avocat qui a été désigné, avocat dit pas défendre ça. Très bien. Et puis tu as un jeune avocat stagiaire, l'esprit qu'il termine au moment, il se dit, nous revendiquons l'honneur de défendre Sylvain Salla. Il se défend Salla. Alors l'accusateur public là, lui-même a fait cette zèle. L'inquisitoire là, il se traitait Salla de lâche. Et à ce moment-là, Bruce Harris, qui est un des plus grands ennemis de Salla, je dis, ah non, je proteste, je me suis campé, je suis un assiste à cela. Je dis, je combatte Salla jusqu'au bout. On peut tout reprocher à cet homme. Mais à faire lâche, il va vrai. Bah, j'ai moins de courage parce que c'est ça. C'est un brave, très brave. Un petit pause avec notre question pour continuer. Vous suivez, madame, pour le point de métropole avec nous ce matin, Michel Soukar, et l'on effectue ensemble un petit voyage à travers son roman La douce amère, Sylvain Salnave. Et auditeur a interagi sérieusement avec nous, on a besoin de comprendre plus, apprendre plus. Bon, auditeur qui dit pour Mando, est-ce que offre Salnave t'est fait et pour mettre Haïti sous protectorat américain, en fait, quid de cette offre? Je vais dire aux auditeurs très rapidement, il m'a raconté le roman. Salnave était un ami qui était Alexandre Tate, qui était mon ami et qui était les États-Unis, qui était venu le voir comme ambassadeur pour qu'il négocie avec les Américains une aide. Pour le faire face à Emile, parce que les ennemis puissants, je ne dis que là, avec l'appui de l'Angleterre et de la France. En retour, il était pour mettre les Américains, pour mettre Molson Nicolas à leur disposition comme des pots de charbon. Parce qu'à l'époque, on connaît la marine, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Mais à l'époque, toi, Américain, c'est ton puissance qui t'a peine à pour le fait de la guerre de sécession. Mm-hmm. Jean Baladia, elle t'a pensé blessé, lui, l'époque qu'on puissance s'allier. Ça va le quoi intéresser. Et à l'époque, même si ça intéressait tout, pour qu'on ait les moyens. Mm-hmm. Et à l'époque, tout, t'as commencé à même te dire, l'Union soviétique n'existait pas. Mm-hmm. Ça l'avait été seul face à ses ennemis, presque sans appel international. Mm-hmm. Et Jean te dit, un mois après, ça l'avait, ses ennemis, qui fait un mois physique dans le quartier populaire, pour les acquis, ils font gros fête, gros banquet pour remercier la communauté internationale, côté ambassadeur anglais, prend la parole pour justifier l'action de l'Angleterre contre ce fléau qui était le Sylvain Salnave. Donc c'est pour dire que la communauté internationale, là, c'est pas d'aujourd'hui que la défense est réelle. Il y a des mondes qui comptent, il y a des mondes qui pouvent. Mm-hmm. Et là, c'était la preuve éclatante. Tous ces messieurs étaient là dans mon cœur, Sager, Canal, Brice, Michel Domingue. Qui étaient les artisans même, sauvés de la défaite de Salnave. Oui, qui étaient les principaux ennemis de Salnave. Ouais. Oui. Donc, ce qui fait que, effectivement, à l'époque, les États-Unis, c'est une puissance capable de dire moyenne. Il faudrait encore attendre 30 ans avant que le capitaliste américain remette sous pied qu'on est là pour entrer en concurrence avec l'Angleterre, la France et puis surtout avec une jeune puissance, c'est l'Allemagne. Mm-hmm. Avant qu'à partir de 1911, que le Brésil définitivement écarté puissance européenne sérieux sur cette continentale-là. Comment expliquer que on gagne facilement obéi à Canal? Il n'est pas facilement obéi. Mais est-ce que c'est peur? Parce que Ougan, en tant que salier, il a une responsabilité vis-à-vis du monde qui devine faire confiance là. Ah oui. Oui, mais là, il trahit Salnave. Parce que Canal montre que il a une responsabilité vis-à-vis du système là. Ils sont rouages importants dans le système. Or, Salnave sont ennemis du système. Mm-hmm. Donc, c'est ou bien les continuer à protéger Salnave, et puis le Salnave travaille contre tête, contre le système que la donne, ou bien le Salnave, il a gagné, monsieur. On va prendre nous là matin à travers ce dit là, Michel Soukar, que la zombification ne date pas d'aujourd'hui, tout comme les sociétés secrètes. Non. Son bail qui datait à longtemps, son bail qui existait depuis l'Afrique, c'est de l'Afrique étant que nous venons. Avec lui, ils viennent développer ici maintenant pour des intérêts matériels et pour des intérêts de classe, il y a qui viennent utiliser pour avoir une main-d'œuvre gratuite. Oui, mais écoutez, on parle le cas de zombification à proprement parler. Pour qui ça, les sortis en Afrique, les arrivés en Haïti, nous-mêmes, regardez, nous entretenons lui. Il y a l'autre étranger qui vient venir en Haïti, il vient des secrets. Non, il vient garder plus ouais. Bon, non, là, son démarche scientifique, il vient garder plus ouais. Que est-ce que sont potions qu'ils sont capables d'utiliser dans leur type de démarche? Par exemple, si on fait des voyages interstellaires, si on a dormi au monde, ça n'a pas combien de temps pour me réveiller, qui j'ai pas réveillé, etc. Bon, donc ça rentre dans leur démarche. Par exemple, si on nous lit le livre et Wed Davis là, sur le vaudou, c'est ton qui te travaille ethnobotanique, ou après tout intérêt que tu as là-dedans, du point de vue purement scientifique. Non, mais pour nous-mêmes, il faut nous comprendre bien que phénomène. Il y a des gens qui ont des yeux de consacrer son forme de justice, mais il faut aller plus profondément que ça. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement forme de justice, c'est une question d'intérêt matériel. Je me dis là. À l'origine alors. À l'origine, il y a un problème de main-d'œuvre, il y a des qui ont besoin de main-d'œuvre. Et comme pays a fait son bas en révolution qui dit que l'anti-esclavagiste, c'est la pigotrahison, oui.
Vous pouvez mettre propre peuple pour un esclavage, mais il ne faut pas parler de ça. Oui, mais on dit c'est en Afrique, ça sortit, ça. Non, mais utilisez connaissance là. Quel que soit côté de sortir, utilisez-le. Utilisez connaissance là. Il y a des qui travaillent ça, connaissance là. Moi, je pense que c'est parce que l'esclavage étant aboli et que la monsieur vient des problèmes pour faire fructifier la terre. Mais il y a quelqu'un qui a connaissance là. Il y a quelqu'un qui a connaissance là. Donc, il ne peut pas servir avec lui pour des intérêts matériels. Mm. Et pas oublier que la société secrète, dans tous les pays du monde, joue un rôle fondamental en termes de réseau d'influence, en termes de réseau d'information. Et ce n'est pas pour rien que monsieur qui t'a fait, ça veut dire les pères fondateurs là, je t'ai eu un rôle de société ça, de faire indépendance. Donc ça veut dire que des salines étaient dans le régime en Champouel, comme ça. Ça, c'est un autre pareil. Nous, on a parlé de son autre là. Mais monsieur qui, monsieur qui fait indépendance, qu'on est qui force société ça. Mm-hmm. Et ça fait gain que par le combat. Parce que vous parlez qu'un ex-sauvé contrebalancé pouvoir, tout ça par le combat. Des salines vont parler par le combat. Christophe par le combat. Mais il y a des qui parlent et tout, on est que nous chitons à faire la guerre, on est filtré. On est filtré et puis nous continuons de contrôler. On est bon au canal, tant que mon canal, t'es très clair sur ça. Et c'est ça que tout homme politique qui va venir au pouvoir prend l'adopter. Jusqu'au XXe siècle, par exemple, sous Duvalier, dans le département du ministère de l'Intérieur, il y a un département qui t'occupait uniquement de ça. Et pas de aucun groupe, ni Champouel, ni Bizango, ni Bling Bending, etc., qui apprend la rue, si chef section, si chouquette la rose, si préfet à l'époque, pas d'autorisation. Et tout ça qui a parlé de rôle qui est à politique, je connais. Donc ça veut dire que ça veut dire que Duvalier allait à l'étoile avec ce pouvoir de contrôle. Duvalier allait avec ce pouvoir de contrôle. Non, elle existe encore. Elle existe encore. Non, mais non. Société secrète existait. Mm-hmm. En parlant du pouvoir de contrôle. Ah, maintenant. Parce qu'au cours de ces 20 dernières années, est-ce que l'État a toujours gagné le contrôle des sociétés secrètes? Je ne pense pas que le gagne autant. Mais où gagne des hommes politiques, c'est certain, qui affilient avec eux et qui utilisent eux dans la région par eux, dans sens intérêt. Ça n'est pas de doute. Mm-hmm. Écoute, dans l'histoire, les sociétés secrètes ont toujours joué un rôle fondamental. Les noms des sociétés secrètes qu'on paquette, par exemple, soit pour la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est garder, n'est pas une société secrète, mais c'est garder des secrets. Ça dépend de qui niveau. Qui est différent. Ça dépend de qui niveau que mon cap dit là. Mm-hmm. Parce que la franc-maçonnerie, c'est une hiérarchie. Non, mais c'est des maçons qui disent. Ça dépend de qui niveau. Ça dépend de qui niveau. Okay. Parce qu'il y a des qui dans la maçonnerie symbolique, il y a des qui dans la maçonnerie opérationnelle. Mm. Et dans tous les deux, il y a une société qui a des niveaux que l'autre pas gagne. Et il y a des secrets qui font, il y a des bagages qui font, qui bien cloisonnés, qui font que si moi-même je fais, ou même je mets en formation par moi, mais c'est pas nous, mais nous, on ne va pas parler ça avant. Mm-hmm. Personne ne peut nier que dans l'histoire, la formation a joué un rôle fondamental, ni dans la révolution américaine, de George Washington, qui est une pique de formation qui gagne, ni dans la révolution française. Toi, quand tu fais la révolution française, toutes ces formations. Mm-hmm. Mon bon bagage, c'est dans l'ordre où tu débattes. Mais les débats là, c'est moi qui pour là qui là. Si ma son robot qui n'a pas un tic de compagnon, même qui n'a pas de compagnon, il faut qu'on ait. Faut haut. Faut haut. Et puis, naturellement, tout, il faut qu'on ait opérationnel. Donc, Gojon dit lui, il y a deux maçons, une qui est opérationnelle, une qui est symbolique, c'est ça? Il y a la maçonnerie symbolique, pour aller très vite, parce que ce n'est pas tout pour nous parler là. Il y a trois degrés de la maçonnerie symbolique. Apprenti, compagnon, maître. Qu'on est à l'or pour aller plus haut, il faut qu'on ait que, il y a des serments qu'on peut aller prêter, qu'on ne doit vivre. Sinon, qui vit ou qui a passé mal là. Ah bon? Oui. On retourne sur Sylvain Saldo. Ok. Alors, Sandra Badio, si nous comparons la politique telle qu'elle a été pratiquée. Alors, forme de tout que, pendant qu'on dit ça, ça rappelle que l'Église, nous t'as parlé de ça avant l'interview, hein? L'Église concordataire, venue de Rome, dominée par les Français, combat Saldo justement, parce que Saldo était entouré de francs-maçons. Les messeurs de l'homme, qui était en sorte de premier ministre, monsieur, était un anticlérical. Et des maisons de l'homme étaient francs-maçons. Et ça, l'Église, avec la franc-maçonnerie, était à couteau tiré. Parce que l'Église, lui-même, encore une fois, la lutte des classes, t'a défendu surtout les intérêts de la monarchie, de l'aristocratie, la France fine de l'Église. Tandis que la franc-maçonnerie lui-même était plus à défendre les intérêts d'une bourgeoisie montante, puissante, et qui pas voulait encore la domination monarchique. Et même les intérêts d'autres classes sociales qui pas forcément la bourgeoisie. Mm-hmm. Ou pas joindre des leaders ouvriers, ou pas joindre des leaders populaires qui étaient francs-maçons. Comme a bien dit Canal à Rougon de Lepin, la lutte de classe est partout. Mm-hmm. Alors, ou joindre dans l'église, qui est gros paix, qui est petit paix, ou clergé, bas clergé, ou joindre dans la société secrète, ou joindre dans la formation de tous côtés. La lutte de classe est partout. Mm-hmm. Alors ça n'a pas le monde tout à l'heure. Jean politique a fait sous Salnav.
si nous comparons à façon politique à fait aujourd'hui, hein, la politique contemporaine, qui ça, qui point de ressemblance? La première chose que je m'a répondu, c'est que pas jamais, hein, à mon avis, à bien observer un leader populaire aussi puissant, aussi sincère, aussi honnête que Sylvain Sanlave dans le soleil. Ça fait me changer ce mot d'Albert Camus qui te dit ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais c'est ce qu'elle exige. Ce qu'elle exige en termes de don de soi, de sacrifice de sa personne. Ou pas même considérer comme un sacrifice, ou même faire avec joie, parce que quoi ne soit faire. Et là encore, ça rappelle tout par exemple au mot de Jean-Paul Sartre, qui te dit, oh mon nom c'est monde, c'est là qu'on identifie dans la vie une cause ouais, qui vaut la peine pour la vie au bout. En un sens ça, Sylvain Sanlave, déjà avant Camus, avant ça, il était illustré par ces salons. Dans le 20e siècle, là, ici, moi, après Sanlave, en termes de leader populaire, seul monde que moi est approché, monsieur, pour sa sincérité, et ce n'était pas un homme d'argent, même Jean Sanlave, c'est Daniel Fignolet. C'est le seul. Après ça, tout le monde est capable de peuple, sans transfert de classe que tu as besoin de régler, sous deux revendications populaires, puis une riche, pas rien encore. Votre signature, La Douce Amère. Sylvain Sanlave, La Douce Amère, après votre signature, vendredi, 1er octobre, vendredi Kavinla, et samedi 2 octobre, dans l'école Café Pétionville, sur place Saint-Pierre, là, de 9h à 4h, pour y avoir ces 2000 gouttes, et bien sûr, mon y a capable de joindre tout, d'autres titres que nous rééditer ou bien que nous publier. Alors, Sylvain Sanlave était douce pour les masses qui étaient reconnaître du journal lui-même, parce que tu as défendu l'intérêt, masse paysanne du Sud, masse populaire urbaine, mais elle était un bec ou fiel pour l'élite avec la communauté internationale là parce qu'elle était en danger et tirée. Est-ce que vous n'avez pas jamais un président comme ça encore qui est de sa mère? Non. Non. Autant? Peut-être non. Pas autant? Un homme qui a été jusqu'au bout, un homme qui n'a pas été achetable, qui ne s'est pas laissé corrompre. On connaît Sylvain Sanlave, elle est tombée au fusil. On dit l'état est douée. L'état est douée 7 mois après moi. Et pas n'est-ce pas mourir, autant de rejoindre comme pendant la Kali ou bien Bakaban. Non, mais on s'en monsieur. C'était un homme qui s'est donné pour sa cause. Naturellement, on ne peut pas des réserves sous lui, ou qu'à garder, comme je l'ai dit, malheureusement, ça va parler de la gauche haïtienne, non, n'a pas fait assez d'études sur le cas de Sanlave pour tirer profit de son expérience. C'est très longtemps après qu'on va rejoindre cette étude remarquable dont l'historien haïtien André-Georges Adam. Et quitter qu'on livre que les Sylvain Sanlave, une crise haïtienne, 1867-1970, que nous avons souhaité que Henri Deschamps réédité. Après, c'est au page de Roger Gaillard qui pourrait faire le cacoïsme bourgeois contre Sanlave. Au page le livre de Marcel Sanlave, bon, et puis tout, bon, ce qui n'a jamais été édité sous forme de livre, les mémoires de François Légitime, qui était aide de camp Sanlave. Mais c'est une période déterminante parce que après Sanlave, ça pourrait le passer. T'as qu'au bout, c'est Brice, qui était ennemi, monsieur. Tu dis, on sait de paysans, je fais une fille, j'ai un paquet, et puis il y a du toit. Je dis, moi, pas besoin de fils de ça. Mais celle-là, m'a dit, non, pas que je me sorte dans le bois, côté de l'air. Pas que je viens de m'aider dans le corps, de la ville, de le pays. Mm-hmm. Ça va garder. Pour des messages à monter, il va tuer le pour des messages à monter. C'est ça. Ah, ben, faut nous finir. Et puis, bon, à l'époque, après ça, tout pendant longtemps, avec répression, ça, les masses prennent recul sur la scène politique. Il faudra attendre. Jusqu'au début du XXe siècle. 1915. Avant 1915, quand on parle bien, nous t'ai parlé de ça, résurgence mouvement Kakoyo, mais c'était surtout un mercenariat. Mais c'est surtout avec l'occupation américaine de Peralte que les masses populaires paysannes prennent retourner sous scène avec cette fois une vocation anti-impérialiste et une vocation patriotique. Faut nous finir, Michel, mais qui doit aller sans pas poser vos questions sur l'actualité, en partager compréhension pour nous de ce qui a passé en Haïti aujourd'hui. Bon, la faillite continue. Il n'y a presque pas d'État. C'est un État moribond. C'est évident. Il y a des gens qui disent pouvoir dans la rue. Non, pouvoir pas dans la rue. Pouvoir Washington. Pouvoir pas dans la rue. Les Haïtiens ont complètement perdu le contrôle de leur destin. C'est ça qui a passé là. Maintenant, quelle disposition que les Haïtiens décident de prendre pour récupérer ce contrôle, ça dépend d'eux. Est-ce que vous pensez que finalement, on a fait pour une occupation? Bon, quel intérêt pour l'occupation? Occupation, je veux dire occupé, ça veut dire pas le fin de ramasser fatra pour vous, ne pas nettoyer goût pour vous. Non, non. Ils ont tout, sans les responsabilités. Ici, les Américains ont tout. Tout. Qui politicien haïtien là qui va refuser l'ambassade américaine, quoi que ce soit. D'ailleurs, nous avons une image en l'heure, l'ambassade américaine, ça que là, après ce voir Jovenel Moïse, ils ont sa patte. Je vais tout dire, toute l'image est là.
Donc ça veut dire que vous avez tout le bagage et puis vous dites non, vous êtes indépendant, vous êtes libre, vous savez, faites ce que vous voulez, mentir. Le compte très bien, c'est vous contrôlez tout. Donc ces mensonges-là, qui pour que vous nous mettez fait à l'île. Ces mensonges. Comment? Ah ben ça dépend de nous. Ça dépend de longueur combat, non? Ça dépend de longueur volonté, non? Ça dépend de tout un peuple ou de tout. Ça dépend de tout un peuple. Que c'est monde qui cite, que c'est monde qui l'autre bord. Et qui vole l'idiot, non ça? De quelle idée tu parles? Les élites économiques, politiques, intellectuelles. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'élite. Ou bien deux, trois mondes, ou bien deux, trois mondes dans le pays, hein, de certains milieux, son pays qui a toujours été un pays de spécimens, un pays d'échantillons, qui c'est des individus brillants, des individus qui auraient pu réussir dans n'importe quel pays, mais qui choisirent, étaient là, et qui fait travail. Hein. Mais en tant que corps social, en tant que conscience sociale, en tant qu'organisation sociopolitique, ça n'existe pas. Ça n'a aucune influence. On passe au parc, il y en a plus de monde qui exprime des désaccords par rapport à ça. C'est doyen, mais qu'on me le prouve. Que pas le prouve, pas pour exemple à voir. Moi, pour exemple, Pierre Saint-Pavard. D'ailleurs, je n'ai pas laissé en d'accord. Je n'ai fait une crise qui l'a, puisqu'on a parlé d'élite. Une crise qui l'a. Quelle organisation économique et financière qui dit que le groupe poids, qui propose quoi que ce soit. On nous prend par exemple le secteur bancaire. Plein de banques dans le pays. Vos organisations qui représentent, qui proposent le pays en bagaille. Expliquez. Non, mais il n'y a pas proposé, et puis il n'y a pas. Le cas, même pour que j'aime non, mais attendez, il n'y a pas faire des propositions, et puis il n'y a pas des décideurs. Je se dis là. Est-ce que j'entendais que gagner une organisation qui charrie une conscience sociale en d'un pays, qui dit que c'est membre de l'élite et qui propose le pays un projet national. Ça n'existe pas. Que ce soit des industriels, que le banquier, que ce soit des grands commerçants, importateurs, pour la plupart. Ça n'existe pas. Mais l'élite là, mais ça va l'élite là. Voilà. Donc nous livrons. Mais dans les classes moyennes, mais c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle moi dis ou abjoint, que ce soit dans ce l'élite là, que ce soit dans la classe moyenne qui envoie beau diable de paupérisation de plus en plus, TPS ADR pour un paquet de la dernière, ou bien quelques éléments qui voulaient faire bagaille. Mais est-ce que regrouper une organisation avec un leadership, avec un projet, avec une capacité d'intervention? Non. Maintenant, on va pour le secteur populaire, par exemple les ouvriers, ou bien des syndicats jusqu'à présent qui ont fait effort et pas disparaître, mais ils ont suffoqué. La paysannerie, même genre, la paysannerie haïtienne maintenant, elle est en voie de disparition. Yeah, parce que tout le monde vendait et achetait motocyclette. Voilà, elle est en voie de disparition. Donc c'est pour ça que je dis. On conclut avec la question de sécurité. Vous avez des annonces macabres côté fait. Bon, malheureusement, il est plus vite que de quoi. Ah, au départ, c'est à sa printemps. Au départ, c'est le décap 4-5 ans, même que nous presque arrivé là en moins que ça. On a dit ça en août 2020. Question de sécurité, pour le président Carter, Jean Bolla, pas aucune force locale qui fait face à lui et qui a fait face à lui. Et c'est ça qui donne la part belle à l'international, qui faut ouais, que président dominicain, Panama, Costa Rica, américain hypocrite, on voit des lits de grande puissance. Alors, même dit américain hypocrite là. On dit oui, mais son démocrate et Biden qui est président, et puis bon, il s'est TPS, bien sûr. TPS a apporté un peu le commun à l'État américain. Il faut pas renseigner, non. Son gros business, oui. Et puis, il prend des cerveaux qu'il pas dépenser son groupe pour le déformer, même au Canada. Et puis, le monde parle de démocrate. Démocrate de hell. Comme républicain, comme démocrate, c'est même non. Un républicain, républicain, coup Trump, son avantage qu'on vient, c'est que lui, double à l'agent lié, on compte au garde. C'est-à-dire que là, pour les Clinton, les Obama, les Biden, ce sont des hypocrites assassins. C'est tout. Aucune différence. Donc, l'autio, c'est les assassins. Point final. La République, les assassins. Les clair ou son chitol, ça veut dire son latrine. Ou pas monde. Pas besoin de venir. Le monde qui m'a bien souhaité venir, c'est des blancs, j'ai blé même avec. Ou même, ou son petit nègre, pas besoin. Comme il a de noir, ou hispanique, soit il y a. Ou son fatra. Ton pli du clé. Bon, puis on a fondé comme ça. Que maman fait Obama, qui a fait Haïti cadeau, qui a fait les Clinton cadeau à Haïti, pour faire ça, vous voulez. Jusqu'à présent, c'est le cap dirigé. Là, on a. Bon. Maintenant, plutôt ça. Avec Biden et Obama, qui a fait quoi les Clinton pour y Haïti, pour y avoir des incapables et des voleurs, dirigé le pays. Et tout ça, pour qu'on là, c'est pour continuer même dans cela. Qu'est-ce que vous pensez, Haïtien, qui a arrivé à Halte là, et qui a pris destin pays en bon, même. Mon frère, ça, tu sais, je n'ai pas de boule de cristal, mais tout ça me connaît. Si on peut, ou voulez changer de destin, c'est vous-même qui pouvez prendre en main. Mais nous va faire un coup casse. Sylvain Salnave, dans l'histoire de ce pays, t'es tenté en bagaille. Les belles villes pour lui. Et m'a répété ce mot d'Albert Camus. Et ce mot de Jean-Paul Sartre, t'as tout haïssé qu'à prendre. C'est pas chez toi de révolter contre ça qui a passé.
mais qui ça va faire pour assumer la révolte ça. La révolte en elle-même, ce n'est pas elle-même qui est noble, c'est ce qu'elle exige. Qui ça l'exigeait en termes de don de soi. Et tel que Jean-Paul ça te dit, ou nous c'est monde, et bien qui cause identifie dans la vie ou et qu'on cabaye vous pour lui. Haïti c'est une cause. Voilà. Merci. Merci. Michel Soukar, c'est un plaisir pour être au matin avec nous encore une fois. Bon, j'espère. Prochain rendez-vous, c'est pour qui là? Dans un mois. Dans un mois. Alors, un bon nouveau roman? Non, c'est d'autres titres que m'a préédité. Et donc, pour me dire mon Dieu, donc, on a obtenu vendredi et samedi à l'école des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre, de 9h à 4h. Et le prix du livre est à 2000 gourdes, et t'as pour me dire tout, à bien l'autre.